Bienvenue à notre nouvelle émission, Télépo. Aujourd'hui, on avait le temps les pieds en Grèce, nous allons interviewer deux célèbres athlètes olympiques de l'année 1776. Applaudissez chaleureusement Christophe et Alexandre, les grands jumeaux. Merci, merci! Première question, qui a gagné la compétition entre vous deux? Ouais, c'est moi, Alexandre. De quoi tu parles? C'est moi! Ah ouais? Tu veux te battre, hein? Wow! Attendez, monsieur, regardons la vidéo. Je vous l'avais dit que c'était moi! Continuons avec la prochaine question. Alexandre, comment tu te sentis après cette glorieuse victoire? Fier d'avoir battu Christophe. Une belle et méritée victoire pour ma part. Et vous, Christophe, comment tu te sentis après cette terrible défaite? Eh bien, je suis allé voir Alexandre et je lui ai volé son trophée. Mais il a réussi à me le reprendre. Avez-vous apporté ce trophée? Bien sûr, le voici! Hé! Hey, il ne le mérite pas! Il est à moi! Donnez-moi ça! Je vous jure de vous inviter les deux. Bref, passons à la suite. Il y avait quelle épreuve dans cette compétition? Eh bien, il a fait la course à chevaux, le lancer de disque, lancer de javelot, saut en longueur et course à pied. T'as oublié l'épreuve où t'as perdu, la lutte. Ah ouais, j'avais oublié. Comment t'as pu oublier ma fabuleuse victoire? Je prends ma revanche. Ah ouais, ben go! Bon, désolé pour l'interruption. Je vous l'avais dit, c'est moi qui ai gagné. C'est pas ça que j'ai vu en tout cas. Ouf, c'était un très bon échauffement. Continuons avec la prochaine question. À quel âge et pourquoi avez-vous commencé à faire du sport? J'ai commencé à l'âge de 5 ans pour passer plus de temps avec mon père. Et moi, 6 ans, pour copier mon frère. Mais aussi pour honorer Zeus, le dieu du ciel. Quelles caractéristiques deviez-vous avoir pour participer à la compétition? Premièrement, il fallait être un homme citoyen. Et deuxièmement, il fallait être d'origine grecque. C'est ce qui met fin à cette merveilleuse expérience à nos incroyables invités. On vous attend à 19h30 pour voir Cléopâtre. Ma fabuleuse et merveilleuse victoire. Je prends. Ah ouais? Ben go! Bon, désolé pour l'interruption. Passons à la suite. Mais c'est quoi ça qu'il faut faire? Faut faire bzzz. Faut faire... Désolé pour... Faut faire... Faut que tu coupes la caméra. Oh, faut qu'elle aille avec des bleus. C'est ça. En fait, faut la remaquiller, hein, non? Faut qu'elle aille des bleus. Non, pas besoin d'avoir des bleus. Pas besoin. On s'en fout. On s'en... Ben, on va commencer à se battre. Zzzz. Blanc, c'était bon, parfait. C'était parfait. Marianne, t'as oublié ton... Bon, désolé pour l'interruption. Je vous l'avais dit, c'est moi qui ai gagné. Oh, c'était un bon échauffement. T'as skippé ma ligne encore une fois. C'est ce qui m'est fait à cette merveilleuse expérience avec nos incroyables invités. On vous attend à 19h30 pour voir Cléopâtre. We're done! J'ai un petit peu raté à la fin. Mais on s'en fout là. We're done! Ok, go, regarde! Moi j'ai juste envie de regarder. Efface le pote, touche pas la caméra. Mais non, je sais, j'ai rien touché. Ok, on a terminé? Ouais, on a fini. Ouais. Ça tombe encore.